Bonjour, on est deux sœurs, on vient de Londres, spécialement pour le grand kiff, il fait super chaud, il fait beau, tout le monde est motivé. On vient de s'inscrire ici, on revient juste d'Israël pour le grand kiff, donc on est super contents d'ici, c'est le top. On a vachement hâte de commencer, de voir les activités et tout. Ça y est, inscription pour le grand kiff, le petit sachet avec tout ce qu'il faut. C'est un bon rassemblement, franchement je suis assez contente que ça existe. C'était génial. J'ai été vraiment marqué par le nombre qu'on était. Vraiment, c'était impressionnant. Ça criait dans tous les sens. C'est pas vraiment le genre de soirée que j'aime, mais là, c'était vraiment bien. C'était particulier avec tous les bracelets qu'on a eu. Enfin, c'était vraiment extraordinaire et c'est une soirée que j'oublierai jamais. C'était une ambiance vraiment trop bien. Tout le monde a dansé. C'était vraiment cool. On s'attendait pas à ce que ça soit aussi bien. Je me suis fait mener en bateau, c'est mon père, il a dit que mon meilleur ami venait et il a dit à mon meilleur ami que je venais, donc du coup on est venus tous les deux. Moi je suis protestant et scout en plus, donc c'est pour ça que je suis venu en tant que scout. Et on a fait Pierrefonds, donc c'est un mini grand kiff de deux jours avec la région Île-de-France et donc on s'est dit que ce serait Pierrefonds en beaucoup plus grand et encore plus de taf quoi. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne, vous êtes lumière du monde. La soirée était vraiment cool et ben là on est présent pour vivre encore ce rassemblement à fond malgré la fatigue. On vient de sortir d'une activité sur le partage, c'était très intéressant et là on est au grand kiff donc on est très content d'être là. Nous on sort de l'atelier de musique qui nous a pas mal plu. On a fait aussi une étude de psaume de David qui était vraiment cool. Moi j'ai fait l'activité Dieu nous chante et c'était sympa parce qu'on a travaillé sur des psaumes. Alors, on a participé aux activités, c'était très intéressant et là on va aller au culte. D'ailleurs on entend la musique, je crois que ça commence, on va y aller. Bonne journée à tous. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal n'en a, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Moi, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est de pouvoir me rassembler avec certains potes ou même pour la religion. La croyance en Dieu. Ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est m'amuser, m'éclater, rencontrer des gens que je connais pas. C'est découvrir, explorer. Ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est tout. La vie en général, le respect entre les gens, le partage, tout. Ce qui me fait kiffer, c'est Jésus, quoi. Il est trop cool et puis, je sais pas, il fait grandes choses. Ouais, il fait des trucs énormes. Cette lumière du monde, une étincelle de vie. Ce soir, nous avons assisté à un spectacle de théâtre très intéressant puisqu'il y avait différentes scènes et chaque scène faisait passer un certain message, une morale. Je crois que tout est dans le titre, sortie de crise. La jeunesse aujourd'hui a des défis énormes et ces défis, ça vaut la peine d'en parler, ça vaut la peine de lui donner la parole à ce sujet. Alors pour une première de cette envergure-là, on a été vraiment très surpris. Je parle en termes
de monde. La réaction du public, l'engouement par rapport au spectacle, c'était vraiment génial. Tout ce qui s'est passé, le recyclage, l'écologie, l'environnement, c'est des choses d'une part que voilà, donc on a pris une prise de conscience là, ici, maintenant. Maintenant, au-delà de la pièce, il faudrait le faire, en fait, faire en sorte que ce soit quelque chose qu'on reproduise chez nous. Ce que je like le plus chez toi, papy, c'est que quand je ramène ma fraise avec mes petits soucis, toi, t'as toujours la pêche, la banane, la patate. T'as un panier de fruits et légumes à toi tout seul. Ah, c'est sûr que moi, hamburger, frites, coca, c'est pas ma nature, c'est pas ma culture. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? On a vu une vidéo sur des jeunes qui se mobilisaient pour faire des associations. On a pu retenir que c'était pas évident, parce qu'ils n'étaient pas forcément entendus. Ouais, que ils essayaient de faire bouger leur quartier ou de se mobiliser, mais que souvent les plus âgés ils voient pas correctement et ils ne se bougent pas pour eux parce que c'est justement des jeunes. On les traitait aussi d'égoïstes alors qu'ils essayaient de se rendre utiles. La solidarité, c'est bien. La solidarité est une force. Vous allez kiffer la flotte ou pas ce soir? Ah pas du tout là, ça commence un peu surtout à surtout avec le maquillage que j'ai sur la tête, ça va partir. Ouais. Ah ouais, ouais. Surtout que demain si on revient ici et que c'est une mare, ça va être très agréable. On l'a pas vu on là. On va se baigner. On a pas nos maillots, c'est con quand même. J'aimerais bien un bel orage bien efficace avec du tonnerre, des beaux éclairs, tu vois, quelque chose au moins qu'on peut... On peut dire voilà, on n'a pas évacué pour rien quoi. C'est cool parce qu'on est au grand kiff, ça fait qu'on kiffe tout. Ce soir, dans l'amphithéâtre, nous avons pu assister à quelques danses de culture qui nous étaient plus ou moins étrangères, enfin que nous n'avons pas l'habitude de voir, donc c'était plutôt sympa. C'était trop bien. C'était trop bien, mais il y a eu un orage et ça fait un peu peur là. Ah non, courant, moi ouais. J'adore ça. Dieu nous a relevé, il fait de nous le Donc le grand jeu d'aujourd'hui, alors tous les jeunes doivent remplir une jauge qui va permettre de faire briller la lumière. C'est un scientifique qui leur demande voilà, de remplir cette jauge de façon à ce que les jeunes se déplacent dans différents stands dans Grenoble. Ils rencontrent des témoins, ils font des activités, ils apprennent la danse du flash mob aussi de cet après-midi. Ce que nous avons dans notre stand, nous sommes deux témoins qui devons raconter ou expliquer pourquoi nous sommes lumière du monde et qu'est-ce que ça a changé pour nous d'être croyants et quelle est notre place maintenant dans l'église. Les jeunes sont très attentionnés, ils nous posent des questions, ils sont beaucoup à l'écoute, sont très présents je trouve et donc ça nous fait plaisir. À la fin de ce grand jeu, une fois qu'ils auront rempli toutes les jauges, on va essayer de faire briller la lumière en dansant tous ensemble, en se réunissant pour danser le flash mob. T'as partagé, t'as témoigné, oui c'est la vie, la 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 la. On va s'ouvrir, on va s'unir, oui c'est la vie. Visiter tout Grenoble, donc on avait plein d'épreuves à faire et aussi on avait des défis qu'on nous envoyait par téléphone, du style embrasser un arbre ou faire des immenses pyramides ou faire des câlins gratuits et plein d'autres choses. Et ça nous a permis de découvrir cette vraiment belle ville. On va sourire, on va s'unir, et c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va kiffer, et c'est la vie. Plusieurs, je dirais. On a eu un premier concert des RTT, donc des pasteurs qui se mettent à faire de la musique parce qu'ils aiment ça. Ça a bien plu aux jeunes, je pense. Après, on a eu le concert de Matt Marvin, pardon. Plus posé, mais son ambiance aussi. Et là, quand le DJ Henry Hunter est arrivé, c'était la grosse folie. On s'est senti obligé, du coup, de réveiller notre lumière en nous. Et je crois que c'est fait. Et surtout, les jeunes s'éclatent, et ça, c'est le principal. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
en tout cas que ce rassemblement va me permettre de me fortifier parce que j'ai déjà des engagements, mais s'engager dans l'église, c'est un peu comme si c'était sur du papier et maintenant il faut le vivre. Et ça fait juste un an que j'ai pris l'engagement et j'espère que ce que je vais recevoir ici va m'aider à faire grandir tout ça et va me fortifier, va me donner plus de base, plus de force aussi pour faire avancer. Et je pense que servir, c'est aussi c'est une façon d'être lumière du monde. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me